Bonsoir à toutes et tous. Il est l'heure que nous commencions ce conseil municipal du lundi 25 mars 2024. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vais procéder à l'appel. Sébastien Leclerc présent, Denis Fraquet, présent. Cindy Mangeant, présent. Johnny Briard, présent. Corinne Lecourt, présent. Jean-René Desmond, présent. Corinne Lejeune, présent. Vincent Auton, présent. Caroline Verrag, présent. Paulette Duval, Monique Greffé, Henri Aujard, Nathalie Cotron va nous rejoindre. En attendant, elle a donné pouvoir à Paulette Duval, Laurent Delanoë, présent. Thierry Eustache a donné pouvoir à Johnny Briard, Rémi Lebrasseur, Karine Lanier, présent. Frédéric Ménil, présent. Sandrine Elie Romain, présent. Thibaut De Jaeger a donné pouvoir à Jean-René Desmond, Vicky Bagny a donné pouvoir à Cindy Mangeant, Florian Lépine, Morgane Voisin a donné pouvoir à Corinne Lejeune, Antoine Avard, absent, Hervé Sell, Maïwenn Léger est absente, Clotilde Walter, Sylvie Grandin a donné pouvoir à Clotilde Walter, Émilien Jean, Angélique Avard a donné pouvoir à Émilien Jean, Valérie Burel a donné pouvoir à Angela Beaugros, Angela Beaugros, Angélique Périgny, Bernard Aubry a donné pouvoir à Paul Mercier, Paul Mercier. Le quorum est atteint. Je vous propose de commencer notre séance et conformément à l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de désigner notre secrétaire de séance qui est en grande forme ce soir. Je vous propose Madame Karine Lanier. Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Karine Lanier est donc notre secrétaire de séance. Mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour procéder à l'examen, puis au vote du budget 2024 pour la ville, ainsi que pour les différents budgets annexes qui y sont rattachés. Comme pour la plupart des collectivités, la préparation de ce budget a été rendue compliquée par les inflations que nous avons connues et que nous connaissons sur les énergies et même globalement sur tous les achats de la ville. Un certain nombre de communes vont équilibrer leur budget en relevant le taux d'impôt foncier. Ce n'est pas notre cas, nous nous sommes engagés depuis 2020 à ne pas augmenter les impôts pour la durée du mandat et nous allons tenir cet engagement. Sur ce sujet de la fiscalité locale, on entend depuis longtemps que les impôts seraient élevés à Lisieux. En réalité, en regardant la situation des autres communes du département, nous constatons que 36 communes du Calvados ont un taux d'impôt foncier supérieur au taux de Lisieux, taux qui est, je vous le rappelle, à 51,06%. Je ne citerai pas d'exemple, mais nous avons quelques communes limitrophes qui ont des taux supérieurs aux nôtres. Et pour l'anecdote, le taux le plus élevé du Calvados est à 79,9%. Je laisserai tout à l'heure Denis Fraquet et Florian Lépine vous présenter les différents budgets. Avant d'entamer l'ordre du jour, je souhaite revenir sur l'annonce que nous a faite Johnny Briard de la création et d'aménagement de 350 places de stationnement supplémentaires dans le centre-ville ou à proximité immédiate. Il s'agit d'un enjeu important pour Lisieux qui, en tant que capitale du Pays d'Auge, doit pouvoir accueillir les Augerons qui y viennent pour faire des achats. Ces places supplémentaires permettront une meilleure utilisation de l'espace public. Cette stratégie s'ajoute à nos efforts en faveur du vélo, avec le plan vélo qui va entrer dans sa phase opérationnelle, puisque les marchés de travaux vont très prochainement être notifiés aux entreprises retenues. Et en matière de mobilité, je veux rappeler également la place que nous avons choisi de laisser aux piétons dans les travaux du centre-ville, sur les espaces de liaison, sur le pourtour de la place de la République ou encore sur la percée Le 1. Enfin, notre jardin public est désormais accessible par moitié aux personnes à mobilité réduite. Cet aménagement était attendu. Il est désormais réalisé grâce à des couloirs de circulation. C'est donc une stratégie globale de mobilité que nous déployons pour Lisieux. Avant d'entamer l'ordre du jour, vous n'êtes pas sans savoir que deux jeunes Lexoviens ont perdu la vie dans un accident de la route vendredi matin très tôt. Je voudrais ce soir saluer leur mémoire. Mehdi et Lucas, très investis dans leur club, le CAL Foot, laissent un grand vide. J'adresse à leurs parents, leurs grands-parents, à Nora, la petite sœur de Mehdi, à Léo, le petit frère de Lucas, et à toutes leurs deux familles, mes plus chaleureuses condoléances. J'ai proposé que l'on vous mette sur table Bon Baiser de Lisieux. Donc, il vous est offert par la ville.
Ce livre est le fruit d'une enquête minutieuse et bien plus qu'un simple récit des époques révolues. Il est un pont entre notre riche patrimoine et l'énergie qui anime notre ville aujourd'hui. L'histoire de Lisieux, telle que racontée par Benoît Noël, est un patrimoine que nous nous devons de transmettre. Ce livre est une promesse que les récits de notre passé ne seront pas perdus dans les brumes de l'oubli. Et il y aura, je l'espère, je le souhaite, il est déjà en cours de construction, un tome 2. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture. Nous allons commencer notre ordre du jour avec l'approbation du procès-verbal de la séance du 19 février dernier. Ce procès-verbal vous a été adressé le 13 mars. Il vous a été laissé un jour franc de 5 jours francs à réception de ce document pour vous laisser faire toutes vos observations. Un CD-ROM de l'intégralité des débats, indexé par question, a été déposé au cabinet du maire et à l'espace Victor Hugo pour les groupes d'élus municipaux. Aucune observation ne m'ayant été formulée, je considère ce procès-verbal approuvé. Et nous entamons le premier sujet avec une longue liste de délibérations sur les finances. Je vais donner la parole à Florian Lépine qui a un PowerPoint à vous présenter. On va vous présenter les comptes financiers uniques de la ville et des budgets annexes ainsi que les BP, ville et budget annexe, et le taux d'imposition qui sera fixé. Ensuite, j'ouvrirai les débats. Voilà, si on est prêt avec le PowerPoint, je laisse la parole à Florian. Denis interviendra avant le vote du BP, Florian. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais vous présenter donc le compte financier unique 2023 pour la ville et pour les différents budgets annexes, ainsi que le budget primitif 2024 pour la ville et pour nos budgets annexes. Alors, on y va. Alors, compte financier unique de la ville. Donc, nous voyons ici la section de fonctionnement. Donc, il a été divisé en deux parties. La première partie, c'est la section de fonctionnement. Puis après, nous verrons la section d'investissement. L'exercice 2023 fait apparaître pour la section de fonctionnement une nette augmentation des recettes de plus d'1 million d'euros, passant ainsi de 31 645 euros votés au budget primitif à 32 843 euros. Cette différence s'explique principalement par l'augmentation de la fiscalité locale pour 1 568 000 euros, due principalement à l'augmentation du point d'indice, et au produit de cession immobilière pour 770 000 euros. La section de fonctionnement pour 2023, les dépenses de fonctionnement, donc la partie qui est à droite, pour 2023 sont en légère baisse par rapport à nos prévisions, mais augmentent néanmoins de 7% par rapport à 2022. Nous passons donc de 26 230 000 euros à 28 064 000 euros. Nous subissons l'impact, notamment de l'augmentation des prix, des matières premières pour 807 000 euros, de l'énergie pour plus de 12%, et également la revalorisation de points de l'indice non compensés par l'État pour la rémunération de nos agents. Cela permet néanmoins de dégager une épargne brute de 4 778 000 euros, que nous voyons en bas. Nous sommes bien au-delà de notre engagement de campagne, qui est, je le rappelle, de 10% minimum de nos recettes de fonctionnement. Maintenant, nous passons à la section investissement. Les recettes d'investissement sont en augmentation de 170%, soit 7,2 millions d'euros, dû à la mobilisation des prêts et par un virement complémentaire de la section de fonctionnement. Ceci pour le financement de nos projets d'investissement, à savoir la Halle Saint-Jacques, la Percée Le 1, la Place de la République, les travaux dans les écoles, soit un montant total pour les travaux et acquisitions, et donc ça, c'est en dépenses d'investissement de 13 833 000 euros. L'exercice 2023 dégage un résultat de 2,4 millions, dont 1,839 000 euros en fonctionnement et 614 000 euros en investissement. Le cumul des résultats de l'exercice antérieur atteint désormais 6 071 000 euros. Nous allons passer maintenant au CFU du centre de santé.
Le compte financier unique 2023 s'arrête de la manière suivante. Pour la section de fonctionnement, 1 206 000 euros. L'équilibre de la section est réalisé avec les recettes des usagers et de l'assurance maladie pour 598 000 euros. La participation de divers financements, 226 000 euros, dont le TELAD pour 70 000 euros, les ROPS pour 156 000 euros, et surtout la subvention ville à hauteur de 283 000 euros. Pour la section d'investissement, la section d'investissement présente un excédent suite à l'affectation partielle du legs du bois pour 168 000 euros. Les résultats de l'exercice est de 0 en fonctionnement et de 103 012 euros en investissement, y compris les résultats antérieurs. Concernant maintenant les pompes funèbres municipales, sur la section de fonctionnement, les différentes dépenses sont sur les chapitres charges du personnel pour 152 000 euros, 436 000 euros pour les charges liées à l'activité du service et 24 000 euros pour les impôts sur les sociétés. Les recettes sont principalement issues de la vente de marchandises et de la prestation de services pour 620 000 euros. Sur la section investissement, les différentes dépenses concernent l'acquisition et l'entretien du matériel nécessaire à la réalisation de l'activité. Le résultat est de 6 524,79 en investissement et 16 836,65 en fonctionnement. Concernant le camping municipal, l'équilibre de la section de fonctionnement réalisé avec la subvention exceptionnelle de la ville pour 34 200 euros. Il n'y a pas de mouvement dans la section investissement. Les résultats de fonctionnement est de 3 050 euros et 0 euros en investissement. Donc voici la première partie pour les CFU. Nous voyons maintenant les grandes orientations pour 2024 qui vont nous préparer au BP. Donc, ils ont été rappelés lors du DUB, la première est pas d'augmentation du taux communal de la taxe foncière. La détermination du niveau de l'épargne brute par rapport aux recettes de fonctionnement à 10%. Et la détermination de la capacité d'endettement de la collectivité à un seuil inférieur à 12 ans. Nous pouvons le voir ici, le taux d'imposition de la ville de Lisieux va rester, et nous le voterons tout à l'heure, à, pour la part communale, 28,96% et pour le taux départemental à 22,10%, soit au total 51,06%. Concernant l'emprunt, nous pouvons voir que l'encours sera, selon nos prévisions, à la fin 2024 à 15 860 000 euros, ce qui correspond aujourd'hui à un seuil inférieur à 10 ans. Nous allons voir maintenant les BP. La construction de notre BP, donc pour le BP Ville, est réalisée en ajustant les dépenses sur les recettes, en reprenant les résultats de l'exercice précédent, en respectant nos engagements pris, à savoir les impôts, le taux d'épargne et la maîtrise de nos emprunts, et en prenant compte de la stabilité des concours de l'État. Pour la section de fonctionnement, les prévisions de recettes augmentent globalement de 233 000 euros par rapport au crédit ouvert en 2023. Le chapitre fiscalité, lui, augmente de 6% en raison de la revalorisation de la taxe foncière à 3,9% et l'évolution des bases liées à un reclassement d'entreprise et surtout à une réclamation qui avait été faite auprès des impôts suite à des mauvaises bases de calcul. Les dépenses de fonctionnement sont quasi stables, avec pour ligne de conduite la maîtrise des dépenses, soit 28 364 000 euros, ce qui nous permet de dégager une épargne brute de 3,5 millions d'euros. Concernant la section investissement, nous finançons nos dépenses d'investissement pour 15 millions d'euros. Donc ça, c'est la partie recettes d'investissement. L'inscription par l'inscription d'une subvention, des subventions que nous avons pour 6 millions d'euros, du FCTVA, 705 000 en cession immobilière, par également l'épargne de l'exercice antérieur et l'inscription du solde d'emprunt pour 6 millions d'euros qui vont permettre surtout de financer les projets engagés comme le centre-ville, la halle Saint-Jacques, la percée Le 1, la place de la République et de nouveaux projets tels que le palais épiscopal, le paddle, le terrain synthétique, la modernisation de l'éclairage public,
la continuité de la restauration de l'orgue et le projet de restauration de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux. À hauteur, cela, pour 19,6 millions d'euros. Les autres participations de la ville durant le BP 2024 seront pour le fonctionnement du centre de santé, une subvention de 350 000 euros et de son antenne à Hauteville. Au budget du CCSCAS, un virement de 1,450 000 euros. Au budget du camping, 47 000 euros. Au fonctionnement de la caisse des écoles, 65 000 euros. Au centre socio-culturel d'Hauteville, 120 000 euros. Et enfin, au budget du SDIS, 507 000 euros. Donc là, nous reprenons les investissements de notre mandat pour 2020 et 2026, à savoir 6 millions pour les acquisitions foncières, 12 millions pour l'amélioration du patrimoine et 70 millions d'autorisation de programme. Et enfin, alors, non, ça remonte. Enfin, aux subventions, les subventions aux associations se montent à 705 000 euros. Et pour la politique d'animation, 619 000 euros. Nous passons au BP du centre de santé. Le budget primitif 2024 est en diminution par rapport à celui de 2023 en raison d'un ajustement de l'offre de services à la population et à la rationalisation des moyens entre les deux sites ouverts, dont celle ici, où nous sommes, et celle dans le quartier d'Hauteville, depuis le début de mars 2023. L'équilibre de la section de fonctionnement est réalisé principalement avec les produits de la consultation, les recettes issues des usagers, donc c'est la part mutuelle, et l'assurance maladie. Une subvention de fonctionnement est inscrite au budget principal de la ville pour un montant de 350 000 euros, et nous l'avons vu précédemment. Pour la partie investissement, ce sont des travaux et acquisitions au fur et à mesure de l'activité. Pour le budget annexe des pompes funèbres, concernant la partie section de fonctionnement, les dépenses sont prévues à hauteur de 835 000 euros. Les recettes sont issues des ventes de marchandises et de prestations de services. L'équilibre de la section de fonctionnement est réalisé par un virement de 304 953 euros sur la section d'investissement. Pour la section d'investissement, 50 000 euros est prévu dans le cadre de l'équipement des services. Et enfin, le budget annexe camping. La ville a réintégré la gestion du camping depuis le 1er janvier 2023 et propose un BP 2024 qui s'équilibre comme suit. Pas d'investissement. Et dans le fonctionnement, une subvention exceptionnelle de fonctionnement est inscrite au budget principal de la ville pour un montant de 47 674,29 euros. Et voilà. Merci, Monsieur Lépine. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions. Alors, on va poursuivre. Denis Fraquet pour une intervention et après. Oui, bonsoir, mes chers collègues. Je voulais juste vous dire un petit mot. Il y a toujours un mot qui me vient en tête quand on parle de finances pour la ville, c'est frugalité. La frugalité, qu'est-ce que c'est ? La frugalité, ça se réfère à un mode de vie ou une approche qui met l'accent sur la simplicité volontaire, l'économie de ressources et la modération dans les dépenses. La frugalité implique généralement une réflexion sur ses besoins réels et une réduction des dépenses excessives. Pour moi, la frugalité ne signifie pas une privation ou une diminution de la qualité des services aux usagers. Au contraire, elle encourage souvent une appréciation accrue des ressources disponibles et une utilisation plus réfléchie des moyens dont nous disposons. La frugalité peut favoriser la créativité, l'ingéniosité et la recherche de solutions alternatives pour répondre aux besoins de base tout en recherchant un équilibre entre satisfaction de l'usager et responsabilité collective. Comme vous le savez, l'État envisage une réduction de son déficit et il est fort probable que le principal effort soit demandé aux collectivités locales. Ce mot « frugalité », j'aimerais le partager avec le gouvernement.
Et j'aimerais aussi le partager avec tous nos collaborateurs, avec vous, mes chers collègues, et avec nos citoyens. C'est un mot qu'il faut avoir à l'esprit, frugalité, un changement de mode de vie et une recherche de vivre différemment. Merci, Denis. Voilà. Réduire les dépenses excessives, accroître les ressources. Voilà, nous allons maintenant passer au vote des CFU. Dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Donc pour mener les prochaines délibérations, je vous propose de nommer M. Denis Fraquet président. Y a-t-il des oppositions ? Pas d'opposition. Alors, je te fais un peu de place, comment on fait ? Non, non, je reste à ma place, t'inquiète pas. Par contre, tu es obligé de sortir. J'y vais. Donc, mes chers collègues, comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule délibération, c'est le CFU qui remplace le compte administratif et le compte de gestion. Avant de se prononcer sur ces comptes, je crois qu'on peut remercier le personnel qui nous a aidés dans l'exécution de ce service, en particulier le personnel financier et le directeur général des services. Donc, je vais vous mettre aux voix les différents CFU, puisqu'il faut voter CFU par CFU. Je vous propose dans un premier temps de se prononcer sur le compte financier unique de l'exercice 2023, budget ville de Lisieux. Qui est contre ? Ah ben, le débat est clos, monsieur Mercier. Le débat était ouvert, personne n'a voulu prendre la parole. Je suis désolé. Donc je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc le CFU est adopté pour le budget ville de Lisieux. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte financier unique des pompes funèbres municipales. Donc la même chose. Paul Dubois avant. Si tu préfères Paul Dubois avant, bah c'est... Je n'ai pas de préférence. Tu lis la délibération, en fait. Lis la délibération, quand même. Je la lis ? Oui. Délibération 2024-24. Compte financier unique, centre de santé Dr Paul Dubois, adoption de l'exercice 2023. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment de son article L21-21-31, vu la délibération 2021-150 du Conseil municipal en date du 16 décembre 2021, adoptant la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022, vu l'application du compte financier unique à compter du 1er janvier 2022, vu les résultats de l'exercice 2023, sa commission Finances, Ressources, Humaines, Sécurité et Urbanisme, entendue le 12 mars 2024, donne acte de la présentation faite du CFU 2023 du budget annexe du centre de santé municipal Paul Dubois, lequel peut se résumer comme indiqué sur le tableau qui vous a été fourni, constate les identités de valeur avec les indications du CFU relatif au report à nouveau, le résultat d'exploitation de l'exercice et fonds de roulement des bilans d'entrée et de sortie, au débit et au crédit porté à titre budgétaire aux différents comptes, reconnaît la sincérité et reste à réaliser, arrête le résultat défini tel que résumé ci-dessous. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le CFU Paul Dubois est adopté. Merci. Le CFU pompe funèbre municipale. Voilà. Délibération 2024-2025, compte financier unique, pompe funèbre municipale, adoption de l'exercice 2023. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L21-21-31, vu les résultats de l'exercice budgétaire 2023, sa commission Finances, Ressources humaines, Sécurité, Urbanisme, entendue le 12 mars 2024, ayant examiné ce dossier, donne acte de la présente fête du CFU 2023 du budget annexe des pompes funèbres municipales, lequel peut se résumer comme indiqué ci-dessous, et le tableau vous a été fourni. Constate que la comptabilité annexe, les identités de valeur
avec les indications du CFU relatives au report à nouveau, résultats d'exploitation de l'exercice et fonds de roulement des bilans d'entrée et de sortie, au débit et au crédit portés à titre budgétaire aux différents comptes. Reconnaît la sincérité et reste à réaliser, arrête les résultats définis tels qu'ils ont été résumés ci-dessous. Je mets aux voix. On va changer là. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Non, mais c'est pour réveiller l'assistance. Merci. Maintenant, nous allons passer à la délibération suivante concernant le compte financier unique camping municipal. La Vallée, la parole est à Monsieur Florian Lépine. Merci, Monsieur le Président. Délibération 2024-26. Compte financier unique camping municipal La Vallée, adoption de l'exercice 2023. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2131, vu sa délibération 2021-150 en date du 16 décembre 2021, adoptant la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022. Vu l'avenant à la convention relative à l'expérimentation du compte financier unique intégrant le budget annexe camping, vu l'application du code financier unique à compter du 1er janvier 2023, vu les résultats de l'exercice budgétaire 2023, sa commission finance, ressources humaines, sécurité et urbanisme, entendue le 12 mars 2024, donne acte de la présente fête du compte financier unique 2023, du budget annexe du camping municipal La Vallée, constate les identités de valeur avec les indications du CFU relatifs au report à nouveau, résultats d'exploitation de l'exercice et fonds de roulement des bilans d'entrée et de sortie, au débit et au crédit portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnaît la sincérité des restes à réaliser, arrête les résultats définitifs, quelques résumés ci-dessous. Merci, Monsieur Lépine. Donc, je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, la délibération est adoptée. Nous allons pouvoir demander à Monsieur le maire de rentrer. Bon, affectation des résultats. Monsieur le maire, donc l'Assemblée a délibéré sur les différents CFU. Ils ont été adoptés par 24 voix et 8 abstentions. Merci, monsieur le premier adjoint. Monsieur le maire. Merci. Merci. Ça s'est passé. Bien, je vous remercie mes chers collègues. Nous allons poursuivre avec la délibération numéro 27 qui est l'affectation du résultat d'exploitation pour la ville sur l'exercice 2023 et je donne la parole à Florian Lépine. Délibération 2024-27, affectation des résultats d'exploitation ville l'exercice 2023. Vu sa délibération 2024-23 du 25 mars 2024, adoptant le compte financier unique du budget principal ville de l'exercice 2023. Sa commission finance ressources humaines, sécurité et urbanisme, entendue, décide d'affecter les résultats de l'exercice 2023 comme suit. La section d'investissement fait apparaître un résultat cumulé de moins 2 725 530,88 € à reporter au compte 001, solde d'exécution de la section d'investissement reportée en 2024.
La section de fonctionnement présente un excédent de 6 070 518,98 €. L'excédent reporté sur la section de fonctionnement sera par conséquent de 5 408 368,02 €, à reporter au compte 002, résultat de fonctionnement reporté en 2024. Merci, Monsieur Lépine. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Affectation du résultat d'exploitation pour le centre de santé municipal, Dr Paul Dubois. Florian Lépine. Vu sa délibération 2024 du 25 mars 2024, adoptant le compte financier unique du budget annexe du centre de santé municipal Dr Paul Dubois de l'exercice 2023, sa commission finances, ressources humaines, sécurité et urbanisme entendu, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2023 comme suit. La section d'investissement fait apparaître un résultat cumulé de 103 867,38 € à reporter au compte 001, solde d'exécution de la section d'investissement reportée en 2024, une capacité de financement de 103 012,14 €. L'excédent reporté sur la section de fonctionnement est de 0 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah ben non, on a ouvert le débat, donc c'est clos. Il n'y a plus de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous remercie. Affectation du résultat d'exploitation pompe funèbre municipale, exercice 2023, Florian Lépine. Merci, Monsieur le maire. Vu sa délibération 2024-25 du 25 mars 2024, adoptant le compte financier unique du budget annexe des pompes funèbres municipales de l'exercice 2023, sa commission finances, ressources humaines, sécurité et urbanisme, entendu, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2023 comme suit. La section d'investissement fait apparaître un résultat cumulé de 136 563,81 € à reporter au compte 001, solde d'exécution de la section d'investissement reportée en 2024 et une capacité de financement de 136 507,74 €. L'excédent reporté au compte 002, résultat de fonctionnement, sur la section de fonctionnement, s'élève à 279 575,88 €. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous remercie. Monsieur le rapporteur général, affectation du résultat d'exploitation pour le camping municipal La Vallée. Délibération 2024-30. Vu sa délibération 2024-26 du 25 mars 2024, adoptant le compte financier unique du budget annexe du camping La Vallée de l'exercice 2023, sa commission finances, ressources humaines, sécurité et urbanisme entendu, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2023 comme suit. La section d'investissement ne fait pas apparaître de résultat cumulé, aucun report au compte 001, solde d'exécution de la section d'investissement reportée en 2024. L'excédent reporté en au compte 002, résultat de fonctionnement sur la section de fonctionnement s'élève à 3 050 €. Je vous remercie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Sylvie, Nathalie, nous, Cotron nous a rejoint, vous l'aviez vu. Nous poursuivons avec la fixation des taux des impôts. Florian Lépine, s'il vous plaît. Délibération 2024-31, impôts directs locaux, fixation des taux, exercice 2024. Conformément à la législation, le conseil municipal fixe chaque année les taux de sa taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Pour l'année 2024, il est proposé de reconduire les taux de l'année précédente, à savoir la taxe foncière sur les propriétés bâties, 51,06%, nous l'avons vu lors du débat. La taxe foncière sur les propriétés non bâties à 35,44%. Pour rappel, la taxe d'habitation applicable sur la résidence secondaire est à 13,96%. Afin de procéder à la transmission par voie dématérialisée de la fixation des taux, le vote doit faire l'objet d'une délibération spécifique distincte de celui du budget. Après examen de ce dossier par la Commission Finances, Ressources humaines, Sécurité et Urbanisme, réuni le 12 mars 2024, il est proposé le projet de délibération suivant. Merci Florian. Donc dans la délibération et dans le suivant, on évoque le taux de taxe foncière bâtie à nouveau, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe applicable,
taxe d'habitation applicable sur les résidences secondaires, voilà, dont les taux vous ont été rappelés tout à l'heure. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Nous allons maintenant adopter les délibérations du budget primitif. L'article L2312 du Code général des collectivités territoriales dispose que les crédits sont votés par chapitre. Le vote sera global puisqu'il n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération d'adoption du budget dans la mesure où le budget est présenté par chapitre et qu'un débat préalable a bien eu lieu permettant de constater l'assentiment de la majorité des conseillers présents sur le budget. Voilà, Florian Lépine. Délibération 2024-32, budget principal ville, adoption, exercice 2024. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, après avoir entendu la lecture du budget pour l'année 2024 et avoir adopté les divers programmes inscrits en section d'investissement, ainsi que les crédits de recettes et dépenses contenus dans chacun des chapitres de la section fonctionnement, vu le compte financier unique 2023 et les résultats de l'exercice budgétaire qui en découlent, après avoir entendu la proposition de l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2023, sa commission Finances, Ressources humaines, Sécurité, Urbanisme, entendue le 12 mars 2024, arrête le budget primitif de la ville de Lisieux pour l'exercice 2024 comme suit. Pour la section de financement en dépenses et en recettes à 24 088 693 euros. Et pour la section de fonctionnement en dépenses et en recettes, 37 286 350 euros. Dit qu'il sera prélevé sur la section de fonctionnement une somme de 2,5 millions d'euros pour assurer le financement complémentaire de la section d'investissement et un versement complémentaire de 6 422 300 euros. Vote en conséquent le budget 2024 en équilibre pour la section d'investissement à 24 088 693 euros et pour la section de fonctionnement à 37 286 350 euros. Et pour l'ensemble du budget, en recettes en dépenses, à 61 375 043 euros. Pour parvenir à cet équilibre, le Conseil municipal a décidé d'inscrire en section d'investissement une enveloppe d'emprunt de 6 6288 euros. Dont 3 849 288 026 euros sont des emprunts reportés de l'exercice 2023. Inscrits au titre du produit des contributions directes, une somme de 13 740 000 euros. Adopte une enveloppe annuelle plafonnée à 20 000 euros pour l'année 2024 dans le cadre des subventions versées au profit de l'acquisition d'un vélo électrique. Adopte les montants des attributions de compensation en cession en section d'investissement dépenses et en section de fonctionnement recettes, adopte les autorisations de programme et les autorisations d'engagement précisées dans les annexes IVB2 du budget primitif 2024 et les crédits de paiement s'y rapportant pour 2024. Autorise le maire à verser des subventions à la caisse des écoles à hauteur de 65 000 euros, au centre communal d'action sociale à hauteur de 1,450 000 euros, au centre de santé municipal Dr Paul Dubois à hauteur de 350 000 euros et enfin au camping municipal La Vallée à hauteur de 47 675 euros. Merci Florian. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Budget annexe centre de santé municipal Dr Paul Dubois. Florian Lépine. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de la santé publique et notamment son article L6323-1, après avoir entendu la lecture du budget pour l'année 2024 et avoir adopté les crédits en section d'investissement, ainsi que les crédits et recettes et dépenses contenus dans chacun des chapitres de la section de fonctionnement, vu le compte financier unique 2023, les résultats de l'exercice budgétaire qui en découle. Après avoir entendu l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2023, sa commission Finances, Ressources humaines, Sécurité et Urbanisme, entendue le 12 mars 2024, arrête le budget annexe du Centre de santé municipal Dr Paul Dubois et son antenne pour l'exercice 2024 comme suit. Pour la section d'investissement en dépenses et en recettes, 125 867,38 euros. En section de fonctionnement, en dépenses comme en recettes, 1 299 925 euros. Vote en conséquent le budget en dépenses et en recettes à 1 425 792,38 euros. Merci Florian. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie.
Budget annexe pompe funèbre municipale, Florian. Vu le Code général des collectivités territoriales, après avoir entendu la lecture du budget pour l'année 2024, vu le compte financier unique 2023 et le résultat de l'exercice budgétaire qui en découle, après avoir entendu la proposition de l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2023, sa commission Finances, Ressources humaines, Sécurité et Urbanisme, entendue le 12 mars 2024, arrête le budget annexe des pompes funèbres municipales pour l'exercice 2024 comme suit. Pour la section de fonctionnement, en dépenses et en recettes, à 461 517,69 euros. Pour la section de fonctionnement, en dépenses comme en recettes, 1 080 575,88 euros. Dit qu'il sera prélevé sur la section de fonctionnement une somme de 304 953 euros et 88 centimes, virement complémentaire vers la section d'investissement. Vote en conséquent le budget en dépenses et en recettes à 1 543 093 euros et 57 centimes. Merci Monsieur Lépine, qui est contre, qui s'abstient. Délibération suivante, le budget annexe du camping municipal. Vu le Code général des collectivités territoriales, après avoir entendu la lecture du budget pour l'année 2024, vu sa délibération en date du 14 novembre 2022 approuvant les modifications statutaires de la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie, vu l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2023 qui entérine la modification statutaire concernant notamment la compétence création, aménagement, entretien et gestion des équipements touristiques, camping de Lisieux, l'hiver au Pays d'Auge et Orbec et aire de camping-car. Sa commission Finances, Ressources humaines, Sécurité et Urbanisme, entendue le 12 mars 2024, arrête le budget structure comptable M4 du camping municipal La Vallée, annexe au budget principal de la ville de Lisieux, personnalité juridique référente pour l'exercice 2024 comme suit. La section de fonctionnement en dépenses et en recettes à 19 574,29 euros. Pour la section de fonctionnement en dépenses et en recettes, 55 774,29 euros. Vote en conséquence, en dépenses et en recettes, le budget de 75 348,58 euros. Merci, monsieur le rapporteur général du budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Je voudrais remercier Denis Fraquet, Florian Lépine et tous les adjoints qui ont délégation. Du gros travail qu'ils ont réalisé pour monter et structurer ce budget. Je voudrais évidemment remercier les services qui ont travaillé à nos côtés et plus particulièrement ceux qui s'impliquent à nos côtés. Voilà, ça a été un gros travail, des discussions importantes, intéressantes, mais qui nous placent, qui nous mettent sur une bonne voie pour dérouler ce mandat. En tout cas, un grand merci à toutes et tous, mes chers collègues de la majorité. Vous allez avoir un parapheur qui va passer devant vous contenant les documents annexés au budget et qui vous sont, ces documents vous sont soumis à la signature. Pour ceux qui ont un pouvoir, vous n'oublierez pas de signer pour votre pouvoir. Et je vous demande, pour faciliter le travail de Sylvie Rousset, de signer avant de quitter cette salle, s'il vous plaît. Maintenant que le budget est voté, nous allons pouvoir dérouler nos politiques avec une phase importante puisque c'est l'attribution des subventions aux associations. Madame Lejeune va vous présenter cette délibération et vous noterez que les subventions accordées au CL Basket et au CL Handball s'élèvent respectivement à 26 000 et 48 000 euros. Ce qui n'est pas indiqué dans votre document. Je vous laisse la parole, Madame Lejeune. Bonsoir tout le monde. Avant de passer à la délibération, je voudrais, Monsieur le maire, mes chers collègues, un petit mot pour le drame qui a impacté la vie sportive ce week-end. Je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles qui subissent cette horrible épreuve. Mais aussi j'ai une pensée pour le club, pour les dirigeants, pour les encadrants, pour les enfants qui aujourd'hui ont perdu un frère, un ami, un modèle. Voilà,
Mon week-end passé a été un week-end noir. Délibération 2024-36, subvention aux associations. Dans le cadre du vote du budget, une enveloppe globale de 705 000 euros relative aux subventions aux associations a été votée. Le tableau ci annexé fait apparaître l'attribution de subventions aux associations. Après examen de ce dossier par les commissions concernées, et notamment par la commission Finances, Ressources humaines, Sécurité et Urbanisme, réunie le 12 mars 2024, il est proposé le projet de délibération suivant. Allez-y, décide. Je continue. Décide de verser les subventions aux associations pour l'exercice 2024, conformément au tableau ci annexé, autorise le maire à signer les conventions d'attribution de subventions entre la ville et les associations dans la limite des crédits prévus sur l'exercice 2024. Merci, Madame Lejeune. Est-ce que vous avez des questions sur ces subventions attribuées aux associations? Monsieur Mercier. Merci, Monsieur le maire. Juste une demande de précision. Vous avez dit 26 000 pour le CAL basket et 46 000 pour le handball, c'est bien ça? 48 000. 48 000. Voilà. Est-ce que... Merci. Ouais. Madame Lejeune voulait répondre. Oui, non, je voulais apporter une précision. Je voulais vous dire que je voulais remercier les personnes que je croise au quotidien sur les activités, les remercier de la confiance qu'ils nous accordent, du partage du partage au quotidien que j'ai avec elles et avec eux, bien sûr. Vous dire aussi que c'est une mission incroyable que vous m'avez confiée. Être aux côtés de la vie associative et de la vie sportive, c'est un vrai bonheur. C'est pas toujours facile de prendre des décisions. C'est pas toujours facile de trancher. En tout cas, nous sommes des élus à l'écoute. On essaie d'être, en tout cas, j'essaie de faire, de mener ma mission avec le plus de recul possible. Voilà. Je voulais vous dire aussi que le bonheur de voir les jeunes sur le City Stade ces derniers jours, quand le soleil s'est installé sur la ville de Lisieux, est un vrai, vrai, vrai bonheur. Un nouvel équipement qui accueille nos jeunes. Je peux vous dire que c'est une belle réussite. Et nous remercie. Qu'on a des beaux projets qui sont en cours, notamment les padels et puis notre skatepark. Tout ça pour le bien-être de nos jeunes et moins jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non. Moi, je voudrais profiter de cette délibération pour me joindre à vos remerciements et remercier toute la vie associative lexovienne, qu'elle soit sportive, culturelle, sociale, commerciale, de nous permettre d'échanger sereinement, de nous permettre de faire avancer cette belle ville de Lisieux. Je voudrais remercier aussi vos agents, Madame Lejeune, parce qu'on a des agents que l'on côtoie au quotidien, des agents des services des sports qui sont eux aussi très à l'écoute des associations et qui facilitent notre travail sans arrière-pensée. Et je voudrais dire aussi qu'on fait le maximum pour mettre des équipements de qualité à disposition des associations sportives notamment. Et vous avez parlé des padels qui devraient voir dont le premier coup de pioche devrait voir le jour cette année. Vous avez parlé du skatepark, mais on peut parler aussi des premiers travaux qui vont être réalisés dans le cadre de l'ANRU à Hauteville, sur le terrain de Hauteville, puisqu'on va y créer un terrain synthétique, ce qui va grandement faciliter la vie du club, notamment par les temps d'hiver ou très pluvieux du printemps. Voilà. Je vais vous demander de voter sur ces délibérations. Pardon, monsieur le maire, mais je rebondis et après on arrête. Mais vous avez raison, remercier le formidable travail des agents qui m'accompagnent, qui sont en contact direct avec les présidents et les présidentes des associations et des clubs. Effectivement, voilà, dès qu'il y a un souci, ils interviennent et on essaie d'être le plus réactif possible. Je les remercie, effectivement. Merci. Merci, Madame Lejeune. Donc avant de procéder au vote, je voudrais vous rappeler que les conseillers municipaux intéressés à l'affaire, c'est-à-dire qu'ils soient présidents, trésoriers ou secrétaires au sein d'une association lexovienne, doivent se retirer pour ce vote. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous, Nathalie?
Alors, je vais te demander de quitter la salle, Nathalie. Il n'y a pas d'autres membres d'association ? Nathalie, pour le souvenir français, si ma mémoire est bonne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Personne d'autre ? Alors, je vais vous demander de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ah, c'est deux ou quatre, monsieur Jean. Vous étiez... Deux abstentions. Monsieur Mercier s'abstient. On peut aller chercher Hervé, s'il te plaît, Nathalie Cotron. C'était bien deux abstentions, monsieur Mercier. Monsieur Aubry s'abstient aussi sur les subventions. C'est bien ça ? Voilà, Nathalie, unanimité, moins deux abstentions. Eh bien, puisque vous êtes revenue, Madame Cotron, je vous donne la parole pour la délibération suivante. Tableau des emplois permanents à temps complet et non complet. Deuxième modification. Mes chers collègues, bonsoir. Conformément au Code général des collectivités territoriales, les emplois permanents de chaque collectivité sont créés par son organe délibérant. Il appartient à ce dernier de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité social territorial. Vu les attendus, considérant la nécessité de créer et de supprimer des emplois permanents à temps complet et non complet pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions à assurer, décide de créer au 1er avril 2024 les emplois permanents à temps complet et non complet, comme indiqué dans la note de synthèse que vous avez dans vos paraphers. Autorise le recrutement sur un emploi permanent d'un agent contractuel dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire pour une durée déterminée ou indéterminée, conformément aux conditions fixées à l'article L332-14 ou à l'article L332-8 du Code général de la fonction publique. Précise qu'en cas de recrutement au titre de l'article L332-8 du dit Code, seront indiqués le motif invoqué du recrutement d'un agent contractuel, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement, les niveaux de rémunération. Dit que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au budget principal, chapitre 12, articles 64-111 et 64-131. Autorise le maire ou l'adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires générales à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Dit qu'ampliation de la présente délibération sera transmise au sous-préfet de Lisieux et au trésorier principal de Lisieux. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Balter. Oui, merci, monsieur le maire. Je n'ai pas très bien compris la délibération. Est-ce qu'il s'agit des contractuels seulement ? Et des conditions dans lesquelles on les recrute, ou dans une situation où on recrute des agents et où on n'a pas d'agents qui puissent remplir les fonctions que l'on pose, que l'on propose, et par conséquent, la seule solution étant de recruter un contractuel. Il y a quelque chose qui m'a troublé dans la présentation qui a été faite et qui vaut cette question. Je suis désolée, je ne l'ai pas posée à Denis Fraquet lors de la commission, mais je n'avais pas ressenti de la même façon. Le principe, si vous voulez, dans les recrutements, on recrute normalement des fonctionnaires. Mais si on n'a pas l'emploi de fonctionnaire, la délibération, c'est de dire qu'on peut recruter un contractuel. Et là, pour les médecins, normalement, d'ici la fin de l'année, nous aurons 4 nouveaux médecins, dont un cardiologue sur Hauteville. Ok, donc vous êtes bien dans le droit commun, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est parce que trouver un médecin titulaire de la fonction publique, c'est impossible, puisque déjà les hôpitaux, ils n'en trouvent pas. Donc on prend des contractuels.
mais on n'a pas trop de difficultés actuellement à recruter. Et par contre, on va avoir un creux, puisque, comme vous le savez, nous avons 4 médecins qui vont partir en congé maternité. Voilà, donc nous aurons un cardiologue à 10-35e et un médecin généraliste supplémentaire à 30-35e. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Alors, je vais vous demander de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ah, vous ne voulez pas de médecin, monsieur Mercier ? C'est quand même étonnant. Bon, adopté à l'unanimité, moins 2 voix. Centre de santé municipal, Dr Paul Dubois, convention de partenariat à titre gracieux entre le Centre communal d'action sociale et la ville de Lisieux. C'est Monique Greffet qui nous présente cette délibération. C'est à vous, madame. Bonsoir à tous. Dans le cadre du fonctionnement du centre de santé municipal Dr Paul Dubois et dans l'intérêt pour le Centre communal d'action sociale, CCAS de Lisieux, de soutenir son développement et son fonctionnement, une convention à titre gracieux a été signée le 20 décembre 2023 entre le CCAS et la ville afin de poursuivre le partenariat des ressources humaines. Il est proposé d'autoriser le maire à signer un avenant afin de remplacer la mise à disposition d'un attaché territorial par un adjoint administratif principal de deuxième classe à temps partiel, 90% à raison de 15%, soit 4,73/31/5. Le CCAS verse aux agents la rémunération correspondant à leur grade d'origine. Ce partenariat est effectué à titre gracieux. Aucun montant de la rémunération et des charges sociales versées par le CCAS ne sera remboursé par la ville au prorata du temps de mise à disposition. L'avenant est conclu par une durée de 33 mois, du 1er avril 2024 au 31 décembre 2026. Les parties conviennent de se concerter 6 mois avant l'arrivée du terme afin d'établir le bilan du dispositif arrêté et d'ainsi préparer le renouvellement ou la fin du dispositif. Vu les attendus, considérant les décisions de l'autorité territoriale, approuve l'avenant numéro 1 à la convention annexée à la présente délibération définissant les modalités de partenariat du centre de santé municipal Dr Paul Dubois entre le centre communal d'action sociale et la ville de Lisieux. Autorise Monsieur le maire ou l'adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires générales à signer l'avenant numéro 1 susvisé et toutes les pièces relatives aux modalités de ce partenariat. Merci Madame Greffet. Est-ce que vous avez des questions, Madame Walter? Oui, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous changez, de statut, de grade les fonctionnaires que vous mettez en place, puisque j'ai. Quelque part, il y a un écart quand même très important entre un attaché et ensuite un secrétaire administratif, me semble-t-il, qui remplace un attaché, si j'ai bien compris. Et donc, pourquoi ça veut dire qu'il y a moins de travail, ça veut dire qu'il y a un travail différent, ça veut dire qu'on n'a pas besoin des mêmes compétences, et qu'est-ce qui explique cette évolution, c'est tout. Disons que le travail est un petit peu différent maintenant que le centre de santé, je dirais, tourne. Donc, on n'a plus besoin de 2 cadres de catégorie A. Et donc, par conséquent, il y aura 1 cadre de catégorie A. Et par contre, pour l'aider sur le plan administratif, il y aura donc une personne administrative. C'est uniquement pour ça. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes sont complètement différents. La mise en place est faite et je dirais que ça roule. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Alors, je vais vous demander de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Jean-René Desmonts pour une prise d'acte sur le bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées en 2023. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Délibération donc 2024-39 concernant le bilan des acquisitions et des cessions immobilières donc réalisées en 2023. Donc, conformément aux dispositions du CGCT, on présente chaque année un bilan des acquisitions et des cessions réalisées par la ville de Lisieux sur l'année passée. L'année 2023, donc la commune, dans cette année 2023, a procédé à 2 acquisitions immobilières, 7 cessions immobilières,
un échange et une résiliation de bail emphytéotique. Donc on a eu un avis qui est passé en commission, et là on vous, c'est une prise d'acte. Vous avez joint à la délibération les différentes acquisitions, cessions, avec le détail sur l'identité des cessionnaires, cessions, les montants. Voilà. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Mercier. Merci, Monsieur le maire. Ce n'est pas une question. C'est juste pour remercier de la rectification de la coquille qui avait dans le tableau et que j'avais signalé en commission, et pour dire que cette coquille subsiste dans le tableau de la page 16 de la délibération 39 sur le compte financier unique. Merci, Monsieur Mercier. J'aurai des coquilles aussi à vous présenter quand on cédera le Carrefour Market rue Fournet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas de questions. Donc, il n'y a pas de vote, hein, comme je vous l'indiquais. Monsieur Desmond, nouveau programme national de renouvellement urbain. Il s'agit des cessions de parcelles 6 chemin du Val-Ménard et 161 rue Roger Henny. Session à Logicia, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Effectivement, donc, on a passé déjà ce dossier en délibération du 27 février 2023, puisque le conseil municipal avait donné donc un accord pour vendre à Logicia des parcelles situées donc sur les sites Jean 23, 6 chemin du Val-Ménard et Polyclinique 661 rue Roger Henny pour la construction donc de logements collectifs et individuels dans le cadre du NPNRU. Il y avait un prix d'acquisition qui avait été négocié des terrains et des surfaces qui étaient réparties comme suit. Donc on avait un prix de 64 350 euros pour le site Jean 23 et 205 700 pour le site Polyclinique, soit 270 050. Donc ça, c'est ce que la ville avait décidé. Le conseil d'administration de Logicia, donc, qui est l'acquéreur, a délibéré pour une évolution du projet en tenant compte de la configuration des terrains. Et on arrive à, donc sur le site Jean 23, un montant de 45 452. Et sur le site Polyclinique, c'est divisé en deux parties. 166 210 et 63 008, ce qui aboutit à un total de 274 670. Donc on est obligé, en conseil municipal, d'acter une hausse du prix de cession d'un montant de 4 620 euros par rapport à ce qu'on avait voté. Voilà, c'est l'objet de cette délibération, pour prendre en compte la décision de Logicia. Y a-t-il des questions, Madame Walter ? Oui, Monsieur le maire. Est-ce que on pourrait avoir quelques précisions sur la qualification du secteur du Val-Ménard en termes d'urbanisme ? Parce que autant la rue Roger Henny, c'est très clair. En tout cas pour moi. La parcelle Val-Ménard, c'est la parcelle qui est au-dessus du cimetière. C'est une parcelle qui est à l'entrée du chemin du Val-Ménard, qui est déjà qualifiée en zone constructible et sur laquelle Logicia doit y construire quelques pavillons. Mais et le reste, et où est la limite ? C'était un peu ça ma question. La limite de la parcelle ? Ben non, mais c'est-à-dire le secteur, je n'ai pas parlé de la parcelle, j'ai bien vu qu'il y avait une parcelle sur laquelle on construisait, effectivement on suppose que c'est constructible, mais après le secteur est quand même assez vaste et assez caractéristique, donc comme je n'ai pas les choses en tête, je peux me permettre de poser la question. Là, attends, j'en reviens. Votre question est de savoir où s'arrête la zone constructible dans le PLU ? Bon, on est en limite quasiment, hein, Juste derrière, on est sur les vallons et c'est déjà plus constructible derrière le Val-Ménard, le chemin. Ouais. Et c'est qualifié comment ? C'est zone A ou zone N, derrière le chemin. Oui, derrière c'est zone A, zone N. Ouais. Là, c'est en zone U, oui, c'est ça, c'est N. UC, je crois, mais derrière c'est N ou A. Ouais. De mémoire, je crois que c'est N, mais... Oui, je pense que c'est ça. N, ouais, okay. Donc, quelque part, la conclusion qu'on peut en tirer de votre réponse, monsieur le maire, c'est que on construit et qu'on ne pourra pas construire beaucoup plus sur ce secteur-là, puisque effectivement après on change de qualification en termes d'urbanisme. Je crois de mémoire aussi qu'on est sur des zones à mouvement de terrain juste derrière, dans ce vallon quand on descend vers la route d'Orbec, et je ne crois pas qu'il soit judicieux d'aller chercher à construire par les temps qui courent sur ce genre de coteaux. Merci de votre réponse précise. Tu veux compléter, Jean-Né ? Oui, c'est un des rares secteurs. Effectivement, on a une possibilité de construire en zone U, qui a déjà été délimitée, parce qu'on a un vrai souci, hein, c'est de trouver des parcelles constructibles. On regarde du PLU, il y a assez peu de terrains disponibles en zone urbaine, ou même AU, d'ailleurs, à urbaniser. On poursuit avec la délib'.
Alors, considérant l'évolution des projets de Logicia, donc accepter l'évolution du projet et la cession à Logicia, donc des parcelles, à savoir, donc sur le site Jean 23, construction de 5 logements, 3 en PLAI, hein, logement financé par le prêt locatif et des intégrations. J'ai ouvert les abréviations, après vous avez le détail. 2 en PLUS pour 413,20 m² habitables, soit une acquisition du terrain à 110 euros par 413,20 m², soit 45 452 net vendeurs. Sur le site Polyclinique, donc, comme j'ai indiqué, construction de 22 logements, 12 en PLAI, 10 en PLUS pour 1511 m² habitables, soit une acquisition du terrain à 110 euros fois 1511, donc à 166 210 euros net vendeurs, et construction de 7 logements en PLS pour 572,80 m² habitables, soit une acquisition du terrain à 110 fois 572,80, 63 008 euros net vendeurs. Autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme au marché public à signer donc tous actes et pièces avec Logicia ou toute personne physique ou morale qui lui plaira de se substituer, et précise que l'étude Chancé-Varin, notaire à Lisieux, sera chargée d'établissement de l'acte. Les frais correspondants à ce dossier seront pris en charge par Logicia, et notamment les frais d'acte et de géomètre. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous remercie. Déploiement de l'adressage sur le territoire communal, dénomination des voies. Jean-René Desmonts. Merci, monsieur le maire. Donc la délibération 2024-41. Donc la ville de Lisieux doit identifier clairement les adresses des immeubles et procéder à leur numérotation afin notamment donc, de remédier aux difficultés de repérage et d'accès des services de secours, permettre la localisation dans les GPS et faciliter le déploiement de la fibre optique. Donc il y a l'article 169 de la loi 3DS du 21 février 2022 qui réaffirme effectivement la compétence et les obligations de la commune en matière d'adressage. Donc le conseil municipal doit obligatoirement prendre en charge les dénominations des voies, des rues et places, ainsi que leur numérotation. Donc il y a un travail de vérification qui a été fait, actualisation et de certification des adresses sur une base d'adresses nationale qui est menée donc, par les services municipaux. Donc le département du Calvados a accompagné la ville dans son projet d'adressage en mettant en place un outil cartographique pour valider et créer donc, de nouvelles adresses. Il y a une convention de partenariat qui a été signée donc, le 27 janvier 2023 entre ces collectivités et matérialiser cet accompagnement. Donc la délibération sera ensuite adressée avec l'adresse saisie au service national de l'adresse. Donc il appartient au la liste est actualisée, il appartient au conseil municipal d'attribuer par délibération un nom aux rues, voies et places. Donc vous avez en annexe toutes les rues, leur dénomination. Telles qu'elles vont être entrées dans cette fameuse base de données nationale pour centraliser en fait tous les adressages qui seront à disposition après pour les tiers. Merci monsieur Desmonts. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Mercier. Oui, merci. Donc une question et puis un deuxième point après. La question c'est est-ce que vous avez vérifié avec les cadastres et des communes avoisinantes que les chemins mitoyens qui sont en périphérie de Lisieux, il y a une dizaine de voiries autour de Lisieux qui sont à moitié Lisieux, à moitié commune voisine. Est-ce que vérification a été faite que les dénominations de ces voiries sont exactement les mêmes sur les cadastres des communes voisines? Ça, c'est pour ma question. Et la deuxième, c'est juste dans la série des coquilles, il me semble qu'il manque la rue Marthe-Leblanc, peut-être la rue de la Mutualité s'il y a des adresses dessus. Chemin du Ménilaslin et puis une coquille parce que c'est le jour. Il me semble que le chemin de la planche au Har, Har s'écrit H-A-R-E-S. Voilà, merci monsieur le maire. Très bien, on vérifiera. On vérifiera, il manquait aussi la promenade Paul-Auguste Allais et le square François et Michel Cotta. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Non, je vais vous demander de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? On enregistrera votre question, monsieur Mercier, on vérifiera. Monsieur Briard, un petit tour de petit train. Convention d'occupation du domaine public. Un petit tour de petit train, monsieur le maire, effectivement. La ville de Lisieux souhaite confier l'exploitation d'un petit train touristique à un prestataire dans l'optique de faire découvrir le patrimoine historique de la commune. La basilique, la cathédrale Saint-Pierre, le Carmel, le jardin de l'évêché, etc. Cette autorisation d'occupation du domaine public prend la forme d'une convention renouvelable chaque année, sans excéder une période totale de 6 ans, à partir du 1er avril 2024.
Un avis d'appel public à la concurrence, comportant notamment le périmètre d'exploitation du petit train et le projet de convention d'occupation du domaine public s'y annexé, a été publié sur le profil acheteur et sur le site internet de la commune le 16 janvier 2024. La date limite de réception des offres était fixée le 16 février 2024 à 12h. Une seule candidature a été déposée, la SFAPA, dont le siège social est situé à La Villeneuve en Chevry, dans le 78. L'occupant prend à sa charge l'acquisition du matériel roulant et tous les aménagements et équipements nécessaires à cette activité et en assure le parfait entretien. Il s'engage à communiquer avant le 31 mai de chaque année un bilan d'activité. Sur la base de celle-ci, il réglera à la collectivité une redevance d'occupation du domaine public s'élevant à 6 000 euros par an. Merci, M. Briard. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, on poursuit. Vu les attendus, considérant la volonté de la municipalité de faire découvrir le patrimoine historique de la commune, approuve le recours à la procédure d'appel à candidature pour l'exploitation du petit train touristique sur la commune, informe que la candidature de la société FAPA, dont le siège social se situe à La Villeneuve en Chevry, a été retenue, prend acte que le petit train touristique fera fonctionnel dès la saison touristique 2024, autorise le maire ou le maire adjoint délégué aux espaces publics et aux mobilités à signer la présente convention, ainsi que tout document se rapportant au dit dossier. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Monsieur Briard, Véloroute Lisieux-Orbec, convention relative à l'aménagement de la tranche 2, c'est pour une autorisation de signature. Après le petit tour de petit train, c'est le petit tour de vélo. La communauté d'agglomération Lisieux-Normandie réalise la véloroute entre Lisieux et Orbec, cette voie verte longeant l'Orbiquet, étant réalisée en plusieurs phases de travaux. La première phase a permis de créer la section depuis la rue des Pavements à côté de la gare jusqu'au chemin des Prés, en passant par un foncier dont la SNCF Réseau est propriétaire. Une convention d'occupation et d'aménagement ayant été conclue entre la ville et la SNCF Réseau le 3 octobre 2012, et renouvelé le 31 octobre 2020, la seconde phase de travaux poursuit l'aménagement jusqu'à Glot, en passant notamment sur le chemin des Prés. Une convention doit régir les opérations concernant une section de 180 mètres environ, depuis la jonction avec la fin de la promenade Mogliano-Veneto jusqu'à l'ancien poste d'aiguillage. Prévoir une prise en charge par la CALN à titre gratuit des travaux et de l'entretien de l'aménagement cyclable, ainsi qu'une validation technique du cahier des charges de la construction de la voie. La convention est prévue pour une durée de 10 ans entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2032 et peut être reconduite tacitement 3 fois maximum. Chaque partie peut y mettre fin à l'issue de chaque période décennale, moyennant un préavis de 3 mois. En cas de litige, un règlement à l'amiable doit avoir lieu entre les deux parties avant de soumettre le différend à une instance juridictionnelle. Aucune indemnité ne sera versée en cas de retrait ou d'annulation de la présente convention. La ville reste attentive à la qualité de l'aménagement projeté ainsi qu'à la signalisation de la sécurisation de l'axe pour ne pas créer d'accident au passage des véhicules et engins allant jusqu'au bâtiment SNCF depuis la rue d'Orbec. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, on poursuit. Vu le projet de la convention relative à la création, l'entretien et le transfert de la maîtrise d'ouvrage public d'une voie douce entre Lisieux et Glot, s'y annexer, considérant la nécessité d'aménager une voie douce sur les abords du chemin des prés, et le long du bras de l'Orbiquet, approuve la convention relative à la création, l'entretien et le transfert de la maîtrise d'ouvrage public d'une voie douce entre Lisieux et Glot, s'y annexer, autorise le maire à signer la dite convention ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous remercie. Délibération suivante, encore du vélo, Monsieur Briard, l'avenant numéro 1 à la convention relative au projet d'aménagement cyclable de notre plan vélo de Lisieux, section sud. Oui, toujours dans le vélo. Le plan Lisieux, donc, qui va nous toucher dans peu de temps maintenant, puisque les travaux doivent débuter début juin. Donc, la ville de Lisieux a sollicité, dans le cadre de la création d'aménagement cyclable du plan vélo, son appel à projet Fonds Mobilité Active, aménagement cyclable. La convention signée le 8 décembre 2022 engage la ville à réaliser des travaux sur l'axe sud, l'entrée de la route de Saint-Martin-de-l'Allieu, l'aménagement de la rue Pompidou, ainsi que les bords de Touques, les rues Haroux, Fournet, Carmel et le rond-point Jean-Paul II. L'axe nord, dont la seule rue Condorcet est prévue dans la première phase des travaux, n'est pas pris en compte.
De même, les aménagements réalisés dans le quartier de Hauteville ne sont pas intégrés dans cette convention. Suite à l'augmentation des coûts prévisionnels de l'opération, la ville restreint la mission de maîtrise d'œuvre à une première phase de travaux. L'avenant de la convention vient régulariser cet arbitrage et en maintenant la continuité cyclable pour les itinéraires conventionnés. Un aménagement était en effet initialement prévu rue Fournet afin d'assurer la continuité entre la voie verte et la rue du Carmel. Cet aménagement n'est toutefois pas réalisable sans étude de maîtrise d'œuvre plus complète en raison de l'étroitesse du passage sous les voies ferrées et en amont de celui-ci pour pallier ce problème et maintenir la connexion sécurisée des aménagements cyclables. Il a été convenu de privilégier un itinéraire entre le rond-point Jean-Paul II, la rue Arroux via la rue du 11 novembre, Marie-Bénéret et Place de la République. Un aménagement de passerelle enjambant la Touque était également prévu pour contourner l'étroitesse du chemin du transformateur électrique en raison des contraintes techniques, financières et réglementaires. Cet aménagement a été abandonné au profit d'un maintien du chemin existant en attendant des opportunités ultérieures. L'avenant précise ainsi les itinéraires retenus pour maintenir la continuité cyclable sans modifier les sections éligibles du Fonds mobilité active, ni l'enveloppe budgétaire conventionnée et le taux d'aide associé. Cet avenant permet également d'actualiser le calendrier de réalisation pour des travaux devant se terminer au plus tard le 31 mars 2025 en ce qui concerne les sections couvertes par la Convention, avec un délai en cas d'imprévu sur les chantiers fixé au 31 mai 2025. Merci, M. Briard. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, on poursuit. Vu les attendus, approuve l'avenant numéro 1 à la convention de financement relative au projet d'aménagement cyclable plan vélo section sud s'y annexé, autorise le maire ou l'adjoint au maire en charge de l'espace public et des mobilités à signer l'avenant numéro 1 subvisé, ainsi que tout document se rapportant au dit dossier. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Madame Mangeant, centre socio-CAF, participation de la ville au fonctionnement et versement pour l'année 2022. Bonsoir à toutes et tous. Donc, la caisse d'allocation familiale du Calvados, la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie et la ville de Lisieux ont signé une convention en date du 5 janvier 2018 relative à la gestion du centre socio-culturel de Lisieux pour la période de 2018 à 2022. Cette convention prévoit notamment le versement d'une participation annuelle de la part de la CALN ainsi que de la ville de Lisieux aux dépenses nettes réalisées de l'équipement selon un montant plafond qui est de 213 000 euros avec une clé de répartition suivante, c'est-à-dire la CALN 35%, la ville de Lisieux 65%, soit un montant maximal pour la ville de Lisieux de 138 450 euros. Lors du comité de gestion du centre socio-culturel, en date du 28 juin 2023, il a été présenté le compte d'exploitation de l'équipement pour l'année 2022, faisant apparaître le montant maximum, soit les 138 450 euros, précisés ci-dessus à la charge de la ville. Cela a donné lieu à une réunion du comité technique le 15 septembre 2023, afin que la CAF puisse apporter des précisions à la ville concernant le montant de la participation demandée. La CAF étant dans l'incapacité de fournir les éléments de justification, la ville lui a fait part de sa volonté de ramener la participation au montant de 120 000 euros initialement annoncé dans son budget prévisionnel 2022, voté et validé en comité de gestion le 13 juin 2022, ce qui a été accepté par courrier en date du 15 février dernier. Merci Madame Mangeant. Est-ce que vous avez des questions ? Madame Walter. Oui, Monsieur le maire, je ne comprends pas très bien. Ce que veut dire ce que vient des enfin c'est clair dans le déroulé, mais pourquoi on en est dans cette situation, pourquoi le fait de pas donner, je comprends qu'il faut donner des informations et répondre à des questions quand on en pose ou quand on demande des précisions, c'est incontestable, surtout effectivement avec un niveau de subvention qui est celui qui est apporté par la ville. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour quelqu'un qui ne connaît pas le dossier a priori. Et c'est quand même étrange qu'ils ne répondent pas. Enfin, je trouve que c'est une histoire pas très claire, en tout cas. Mais donc, on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Ou soit, vous considérez que ça ne sert à rien et qu'il faut arrêter de les financer et c'est autrement. Enfin, moi, je n'avais pas compris que c'était ça du tout. Donc, je ne sais pas.
Mais vous avez tout dit, Madame Walter, c'est pas clair et on a du mal à, on a tellement de mal qu'on n'a pas de, on n'a pas de justificatif de la CAF, que ce soit pour la partie agglo ou pour la partie ville. Vous l'avez vu dans la délibération, depuis le 28 juin 2023, la CAF n'a pas répondu aux questions du maire et dans l'incapacité de le faire. Donc moi, j'avais conditionné le versement de la ville à la réponse à mes questions. Je n'ai pas de questions, pas de réponse à mes questions. Dans un souci de bonne tenue, je verse 120 000 euros, mais vous pourriez me reprocher de les verser, puisque je n'ai toujours... vous seriez en droit de le faire, puisque je n'ai toujours, à ce jour, pas de justificatif de la CAF. On nous dit que des postes ont augmenté, mais on ne sait pas nous dire de combien, à quel niveau, de quel pourcentage même, on ne sait pas. On ne sait pas, donc la ville et l'agglomération sont dans l'attente, sont toujours dans l'attente depuis 9 mois maintenant des justificatifs de la CAF. Donc comme à un moment il faut bien que l'on verse quelque chose sur cette année 2022, pour la ville on verse 120 000 euros, c'est ce qui vous est proposé, et pour je crois que l'agglo qui a échangé avec le DGS verse autour de 40 000 euros. C'est ça, Angélique? Ouais. Voilà. Mais je n'ai pas de réponse à vous donner plus que ça, parce que ce n'est pas clair. Et quand c'est flou, comme dit une personne que vous connaissez bien, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. J'en sais rien, mais en tout état de cause, est-ce qu'ils vous fournissaient ces précisions avant et avec quelle échéance? Comment ça se passait? Enfin, ça paraît vraiment... Oui, c'était mieux avant. C'était mieux avant, mais on n'était pas dans une inflation comme celle-ci. De mémoire, on était autour de 118 000 euros les années précédentes, et c'était un peu plus justifié. Là, au bout d'un petit moment quand même, on demande des choses, on n'a pas de réponse, donc on verse 120 000 euros, et puis on attend les réponses. Mais en 2024, j'ai pas de réponse. Ils ont peut-être besoin d'une calculette, je ne sais pas. C'est vraiment étrange. Besoin de... Ouais. Ben, on a l'impression que la CAF, à l'échelle nationale, se désengage des centres sociaux. Donc, peut-être cherche-t-il un prétexte pour que ça s'arrête. En tout cas, il est hors de question que la ville continue de financer des choses... Surtout pour 120 000 euros, parce que quand je me tourne vers mon ministre des Finances et qu'on cherche pendant 3 jours 20 ou 30 000 euros sur le budget, 120 000 euros sans justificatif, vous seriez en droit de me le reprocher. Oui, je les ai suscités, je suis sûr. Bah oui, évidemment. Est-ce que dans la convention, il y a une convention entre la ville et la CAF? Est-ce qu'il est précisé les conditions dans lesquelles vous définissez le montant que vous versez? Oui, mais on n'a plus de convention maintenant. Comment? Je dis on n'a plus de convention. 2022, c'était la dernière année de la convention. Donc, tout était... Vous êtes dans le brouillard, alors, ça veut dire. Oui, c'est flou. On est dans le flou. Mais alors, oui, pourquoi vous ne faites pas de convention? Ben parce qu'on n'arrive pas à avoir de réponse à nos questions, hein, Walter. Moi, je veux bien faire une convention, il faut que je sache ce qu'on met dedans. Oui, mais vous avez, dans une convention, vous avez une relation entre un financeur et effectivement une structure. La convention, elle est faite, elle est pluriannuelle et elle est dans le temps toujours la même, elle ne change pas chaque année. Et vous affectez les moyens en fonction des critères qui sont dans la convention que vous avez signé les uns et les autres. Et vous définissez le montant que vous versez à ce titre-là. Alors, si maintenant vous dites qu'il n'y a plus de convention depuis 2022, ça veut dire que vous leur donnez des moyens sans avoir de base juridique. Non, pas du tout. On verse notre contribution 2022, là. Et à partir de cette fin 2022, on n'a plus de convention. C'est-à-dire que je ne suis plus obligé de payer. En clair, c'est ça. Voilà, mais dans la convention, elle était précise, elle était aussi précise que celle qui nous lie pour le plan vélo et à l'agglomération, évidemment, c'est bipartite en l'occurrence, une convention bipartite, mais on est aussi en droit d'avoir des questionnements, et à ces questions, il faut nous répondre.
Voilà. Et comme on n'a pas de réponse depuis le 23 juin 2023, mais ça avait déjà été compliqué en juin 2022 avec la répartition entre la ville et l'agglomération, et ça avait suscité déjà des questions. J'étais sûrement dans de meilleures conditions peut-être l'année d'avant, mais au bout d'un petit moment, il nous faut des réponses sur ces sujets parce qu'on, avec cette somme qui est allouée à la CAF, on peut nous aussi mettre en place des actions et de très belles actions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors on poursuit, Madame Mangeant, la délibération. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu sa délibération 217-135 du 12 décembre 2017 approuvant la convention de partenariat et de cogestion entre la CAF du Calvados, la CALN et la ville de Lisieux, vu la réunion du comité de gestion du centre socioculturel de Lisieux en date du 28 juin 2023, puis celle du comité technique du centre socioculturel du 15 septembre suivant, considérant l'incapacité de la CAF à fournir lors de ces réunions les éléments de justification du montant de 138 450 euros initialement demandé à la ville pour le fonctionnement du centre socioculturel au titre de l'année 2022, décide de procéder au versement d'une participation financière à hauteur de 120 000 euros au titre du fonctionnement du centre socioculturel au titre de l'année 2022, annoncé dans son budget prévisionnel 2022, voté et validé en comité de gestion le 13 juin 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Voilà, nous arrivons à la fin de ce conseil municipal. Juste avant, vous avez été destinataire des 85 décisions du maire. Elles vous ont été adressées récemment avec ce conseil municipal. Elles datent toutes d'après le conseil municipal du 19 février 2024. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on poursuit. Voici quelques infos complémentaires. Pour conclure, je vous rappelle nos prochains rendez-vous à Lisieux. En ce moment, dans le jardin de l'évêché, vous pouvez découvrir les nombreuses œuvres qui ont été exposées dans nos ronds-points l'an dernier, qui seront vendues au profit de l'association Les Petits Doudous. En parlant d'art, vous pouvez également découvrir l'exposition Non au harcèlement. Ce mercredi, double événement à Lisieux avec le Forum Emploi tout au long de l'après-midi au Parc Expo et le passage de la fameuse course cycliste Paris-Camembert en centre-ville. Ce week-end sera également animé et chargé avec rando, une randonnée au profit de la recherche contre l'endométriose, l'inauguration du banc jaune rue Pau-Mortin et la chasse aux œufs organisée par le comité des fêtes au jardin de l'évêché, si ma mémoire est bonne. C'est pas au jardin de l'évêché, c'est pas ce week-end, tu sais pas, voilà. C'est où, c'est quand? Ils l'ont pas organisé cette année. Bon, voilà, ça a changé. Le 12 avril, vous profiterez d'un nouveau concert à Mosaïque avec Michel Muquel en première partie de Gad Elmaleh Jazz. Le 13 avril, c'est pas grave, est-ce que la date est bonne? C'est le 12 avril à Mosaïque. Le 13 avril, nos enfants pourront profiter du traditionnel carnaval, ça c'est sûr parce que les affiches sont sorties. Le 20 avril, vous découvrirez la seconde édition des médiévales, organisé par le comité des fêtes au Jardin de l'Évêché. Merci Vincent. Vous pourrez aussi profiter, et Denis Fraquet en est fan, du bal à Mosaïque, la brocante du Secours Populaire et le village Chatzy Park sur la place François Mitterrand. Enfin, nous nous retrouverons ici même pour le prochain conseil municipal qui aura lieu le 13 mai. Je vous remercie toutes et tous de votre attention et je vous souhaite une très très belle soirée. Merci.